Mes amis, si la pluie pas mourir, si la pluie pas aller. Dans quelques secondes, nous allons faire entendre des déclarations. Si la pluie, Martine Moïse font un gros discours. Pendant que Martine Moïse était en Suisse, eh bien, Martine Moïse font un discours. J'ai l'impression que c'est peur. Martine Moïse était peur. L'aile en Haïti pour gagner des paroles, li pa parler. Bral fin temps de tout, fin vive discours ça que Martine Moïse baille dans pays la Suisse, gain parole qui dit gain moun Martine Moïse finalement dénoncé. Mes amis, ça haïtien fait y a payé. C'est pas seul dominicain cap shooté derrière haïtien, et bien même haïtien pareil non, yo a pas shooté derrière haïtien pareil yo. Et bien dans place Hugo Chavez là, une quoi place a été inaugurée sous Michel Joseph Martelly, et bien et haïtien qui a parcouru à travers le monde te débarqué et sous place ça, et bien nous pral wè mes amis que Jean la police a shooté moun yo. C'est vraiment la police a shooté moun yo, et le pire c'est que l'État haïtien choisit pour bay moun yo $2000, 10 000 goud pour moun yo al afermé kay pour yo rete. Rete branché mbral fè nou vivre toute information sa yo. Moi genyen d'autres informations pour m'daba nou, mais m'pense que bon m'fè nou vivre d'abord information sou ti l'appli an, n'ap tourne. Tande ti l'appli ki ap pale. Jafon. Et toujours comme ça, hein, man. Mais pour un exemple, marcher sur nous autres, on dimanche long bouillon là. Avant, et ça que faut dire, courir, mais avant, dit mourir. Il a fait un service collé. Il a fait un service collé. Il a fait l'état refrain. Avant, l'état paye une bonne dimension. Il a eu le barreau pour voir. Bagan, c'est examen nous pour nous qui a fait mais ça recouvre comme ça, il va être sérieux. Si comme ça, on a une opinion publique, il va mettre un barre dans cette population, dans cette peuple, comme ça, on a une. Voilà, je que me dis nous, mes amis. Et Martine et Moïse parlent. Martine Moïse parlent dans le pays la Suisse. En nous garder, en entendre déclaration Martine Moïse fait. L'élection au suffrage universel. Dans cette première partie du 21e siècle, la démocratie est menacée par ceux qui refusent d'accepter les résultats d'élection s'ils ne sont pas les gagnants. Les oligarques peuvent être corrompus, mettre de l'instabilité politique pour protéger leur monopole. Les accords de sécurité et de faire compagnie privée de sécurité échappent au contrôle des États. Les officiels de puissants gouvernements étrangers venant créer des dynasties de chefs. Jovenel Moïse a gagné les élections présidentielles d'Haïti de 2015-2016. Ceux qui refusent d'accepter les résultats s'ils ne sont pas gagnants ont réussi avec violence et complicité internationale à faire annuler les résultats. Ils ont ensuite installé un des leurs, le fait provisoire, espérant obtenir des résultats différents. Ces négationnistes ont organisé de nouvelles élections en 2016 et 2017 avec leur propre président de conseil électoral. Encore une fois, le peuple a voté Jovenel Moïse. À cause de cette pression populaire, incapable d'annuler encore une fois les résultats des élections, ce n'est pas qu'il n'y a pas dire. Ces négationnistes ont dû laisser Jovenel crier serment le 7 février 2017 comme 58e président constitutionnel d'Haïti pour un mandat de 5 ans. Je prendrai fin le 7 février 2022. Malgré tout, ces mêmes éléments ont refusé d'accepter les résultats des élections et ont promis de mettre le pays à feu et à sang. En 4 ans et demi, le président a dû faire face à 8 tentatives de coup d'État, des blocages institutionnels de toutes sortes. En 2019, avec l'aide des gangs, ils ont attaqué le Sénat de la République pour empêcher le vote
et la ratification du gouvernement et la loi électorale sous leur sous l'œil passif des Nations Unies créées pour supporter la démocratie. Plusieurs autres attaques similaires avec l'aide des gangs contre les institutions démocratiques se sont tenues. La justice et la police ont été attaquées. Toutes les institutions représentant le fondement de l'État démocratique subissent la violence des gangs conduits par un secteur politique avec une complicité internationale dont les intérêts économiques étaient menacés. À la base de ces attaques contre la démocratie et le gouvernement constitutionnel se trouvent des réformes économiques entamé par l'administration de Jovenel Moïse. Depuis 37 ans, l'État a été capturé par les oligarques corrompus d'Haïti, qui contrôlent aussi le secteur bancaire et l'ensemble des monopoles commerciaux. Dans ce système établi, l'État et le peuple étaient systématiquement pillés. Les réformes entamées par le président Jovenel Moïse ont touché l'électricité, l'achat et la vente de produits pétroliers, le secteur bancaire, la construction des routes, des ponts et autres infrastructures, les contrats de l'administration publique, etc. Le livre qui vient de paraître sur Jovenel Moïse, le révérend assassiné, donne une idée de ses réformes et des défis affrontés. Mais plus de 4 milliards de dollars américains de corruption ont été bloqués par le président Jovenel. Après une campagne menée adroitement par des firmes de relations publiques et de lobbying étrangère payées par les oligarques pour salir son caractère dans les deux couloirs internationaux et l'opinion publique, le président Jovenel Moïse a été assassiné en sa résidence le 7 juillet 2021 par des soldats colombiens qui se sont fait passer pour des agents de la DIA des États-Unis. Ce jour-là, j'ai reçu plusieurs balles et les assassins m'ont laissé pour mordre. C'est un miracle du grand architecte que je sois vivante aujourd'hui. Suite à leur campagne d'assassinat de caractère, les oligarques s'attendaient à ce que le peuple célèbre l'exécution du président. Ils ont eu la surprise de leur vie. C'est notre peuple qui, comprenant les enjeux de ces réformes, a pris l'air le 7 juillet 2021 et a capturé les soldats colombiens. Ce jour-là, il s'était également mis à la recherche des oligarques qui ont commandité ce crime. Entre-temps, les gangs continuent à proliférer, à conquérir d'autres territoires, terrorisant la population. L'insécurité est généralisée. La hausse des prix du carburant et également sa rentrée paralyse toute la vie nationale. La flambée des prix de première nécessité entraîne l'insécurité alimentaire, voire la famine. Ce tableau sombre fait présager de grandes menaces pour la santé globale de la population. 16 mois après, malgré la propagande post-opérationnelle pour brouiller les pistes sur les origines de l'assassinat, le peuple est resté déterminé dans sa quête de justice. Ce crime a provoqué un pourrissement total de l'environnement économique, social et politique. 16 mois après, plusieurs questions méritent d'être élucidées. Quel secteur corrompu a utilisé l'accord de sécurité signé le 17 octobre 1997 entre le président haïtien Winnie Préval et la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright pour infiltrer la police haïtienne, utilisant la dénomination DIE et assassiner le 58e président constitutionnel d'Haïti? Pourquoi, malgré deux enquêtes officielles de l'État d'Haïti, de l'État d'Haïti, le 17 juillet et le 3 août 2021,
ce refus jusqu'à présent systématique du secrétariat général des Nations Unies de nommer un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, comme ce fut le cas pour l'assassinat du premier ministre du Liban, Rafik Hariri. Est-ce du racisme systémique qui bloque cette décision? D'ailleurs, la lettre du département d'État au Congrès des États-Unis démontre les difficultés de la justice haïtienne à mener cette enquête à bon port. Au nom de la justice, de la stabilité politique et de l'avenir de la démocratie en Haïti, le Conseil de sécurité devrait agir et nommer ce tribunal pour enquêter sur l'assassinat. Pourquoi les oligarques corrompus d'Haïti, maîtres des gangs de la violence politique, commanditaires de l'assassinat du président, sont-ils protégés? Pourquoi ne sont-ils pas les principales cibles de sanctions de la résolution 2653? Est-ce du racisme systémique? Pourquoi cet empressement vers une intervention militaire étrangère que le peuple haïtien rejette vaillamment? Pourquoi ce refus de renforcer la police et l'armée d'Haïti depuis 6 ans, alors que la communauté internationale avait aidé à la construction d'une armée au Kosovo? Oui, je que me dit non pas prêter trop bien vidéo côté policier a maltraité haïtien c'est kounya là. Regardez vidéo ça mes amis, bon c'est n'a recroisé encore. Je suis désolé.
Babu Nalini, on se donne la balle.